En vous saluant, je vais vous inviter à vous lever pour une brève prière. En nous tournant d'abord vers l'autel, vers le Seigneur, en ce temps de sa venue, de son avant. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Dans notre monde de détresse, nous t'appelons Seigneur Jésus. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta parole, unis en toi Seigneur Jésus. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Un jour enfin naîtra l'aurore, nous te verrons Seigneur Jésus. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Nous nous tournons vers l'Immaculée, celle que nous fêterons très solennellement demain. Mais nous lui confions déjà toute cette belle journée de reconnaissance, d'action de grâce au Seigneur et à elle, de remerciement à elle. Merci Marie pour Marthe, pour tout ce que les uns et les autres nous avons reçu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et nous nous confions à elle, nous nous consacrons à elle avec tous les nôtres, tous ceux que nous avons dans le cœur, en venant ici, tous ceux qui n'ont pas pu venir. C'est pourquoi je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine, je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que le Seigneur continue de bénir mes lèvres, nos oreilles et notre cœur, et qu'il le remplisse à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous donne maintenant un bref enseignement pour nous aider à entrer dans la liturgie, dans cette messe de reconnaissance, d'action de grâce au Seigneur, pour le don de Marthe et tout ce que nous avons reçu par les foyers, par Marthe. Le Saint-Père François a donc reconnu l'héroïcité de ses vertus. Je voudrais parler tout simplement, j'ai toujours ce réflexe, même dans les retraites, comme si je parlais à quelqu'un qui vient pour la première fois. Qu'est-ce que l'héroïcité des vertus de Marthe? Ça veut dire qu'elle a vécu les vertus chrétiennes.
Autrement dit, elle a bien vécu son baptême, car la vie chrétienne commence avec le baptême. Donc, elle a bien vécu son baptême, qui a commencé le 5 avril 1902 dans l'église à Saint-Bonnet. Elle a bien vécu son baptême dans toutes ses dimensions, elle l'a vécu de façon héroïque, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne. Tout ça, ce n'est pas pour la mettre au-dessus, c'est pour la mettre devant nous, parce qu'elle nous encourage à nous tourner vers Jésus et Marie, pour que nous aussi, nous vivions davantage de notre baptême, de notre vie chrétienne, et que nous progressions et que nous avancions, comme elle le disait, Marthe elle-même, faire de ma vie une ascension vers Dieu, une ascension vers Jésus, une ascension vers le Père dans l'Esprit Saint, puisque nous sommes tous baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors l'Église, pour nous dire cela, a choisi de mettre l'accent sur les vertus chrétiennes de tout baptisé. Et ce sont ces vertus que je voudrais maintenant tout simplement vous présenter. Mais quand je dis simplement, ça ne veut pas dire de façon diminuée. Au contraire, ça veut dire avec des mots tout simples, vous dire des choses très fortes. Parce qu'on est tous appelés à la sainteté. On est tous appelés à vivre intensément de notre baptême, quelle que soit notre vocation dans l'Église et dans le monde. Pourvu qu'on en vive à fond de notre baptême, voilà la grâce. La prière, la grande action de grâce aussi de ce jour. Trois vertus théologales et quatre vertus cardinales. Commençons par les théologales. Théo, TH, ça veut dire qu'elles viennent de Dieu. Les vertus théologales sont d'abord un don que Dieu nous fait et qu'on lui demande, évidemment. On lui demande, mais c'est lui, ça vient de lui, ça vient de Dieu. Ce sont les vertus théologales. Logale, la foi, l'espérance et la charité. Et c'est pourquoi je les définis toutes les trois en commençant de la même manière. C'est Dieu qui ? C'est Dieu qui ? La foi, c'est Dieu qui éclaire. C'est Dieu qui est lumière. C'est Dieu qui donne Jésus et Jésus est la lumière du monde. La foi, c'est Dieu qui éclaire le cœur, la conscience, ma vie, mes choix, mon orientation de vie pour des jeunes. C'est Dieu qui éclaire, c'est Dieu qui va aider à rester ensuite fidèle, fidèle, la foi, fidèle, vous voyez, être fidèle à ce que Dieu me donne, il est lumière, c'est la foi. Deuxièmement, l'espérance, c'est encore Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est Dieu qui fortifie. Il y aura tellement de difficultés. Dans l'Église, vous allez rencontrer autour de vous, dans le monde, mais aussi dans l'Église, des contre-témoignages, des baptisés qui ne vivent pas suffisamment, très peu leur baptême. Alors, voilà, au milieu de toutes ces contradictions, ben, faut progresser. Et l'espérance, c'est Dieu qui fortifie, parce qu'il est lui le grand victorieux. Il est le victorieux du péché et de la mort. Voilà pourquoi quand on s'approche de Dieu et quand on le lui demande, il nous fortifie, c'est l'espérance. La victoire, elle est en Dieu. Et c'est pourquoi on vient à la messe le dimanche, parce que la messe du dimanche, c'est la victoire de Dieu. Alors on vient se nourrir de la victoire. Et ainsi, l'espérance, c'est Dieu qui fortifie le chrétien, le fidèle, parce qu'il en a bien besoin. Troisièmement, la charité, c'est encore Dieu qui nous ouvre. Qui nous ouvre ? Jésus a ouvert son cœur, la charité, c'est Dieu qui nous ouvre. Les yeux, les oreilles, le cœur, les mains, les pieds, le ventre, les entrailles, Dieu nous ouvre, Dieu nous ouvre. Aux besoins des autres, à la compassion, Dieu nous ouvre au monde entier, en commençant par nos plus proches, Dieu nous ouvre. C'est ça aimer. Aimer, ce n'est pas profiter, aimer, ce n'est pas jouir, aimer, c'est s'ouvrir aux autres pour donner Dieu, pour les aimer. Aimer, c'est s'ouvrir. C'est Dieu qui nous ouvre, lui-même est ouvert sur la croix, il est complètement ouvert.
les bras étendus et le cœur ouvert. Dieu s'est entièrement révélé, Dieu s'est entièrement ouvert. La charité, c'est Dieu qui nous ouvre aux autres, à l'infini et d'abord à lui-même. Je répète et on passe aux vertus cardinales. La foi, c'est Dieu qui éclaire, qui est lumière. L'espérance, c'est Dieu qui fortifie parce qu'il est victorieux de tout, du péché, du mensonge et de la mort. C'est Dieu qui fortifie l'espérance. La charité, c'est Dieu qui nous ouvre aux autres, aux plus proches, dans la famille, dans le travail, dans le village, dans le quartier. Dieu nous ouvre dans l'Église. Dieu nous ouvre dans l'Église. Dieu nous ouvre. Et d'abord à lui-même. Voilà les trois vertus. Théo, le Gal, parce qu'elles viennent de Dieu. Et maintenant, les quatre vertus qu'on appelle cardinales. Alors, quand on dit cardinal, on voit un évêque tout en rouge, c'est pas faux, mais qu'est-ce que ça veut dire cardo ? Cardo, en latin, c'est une charnière. C'est un pivot, c'est une articulation. Bon, je ne sais pas, vous habitez une maison, il y a des volets. Les volets, vous les ouvrez. Ben, il faut que le volet pivote. Vous le tirez, la fenêtre est fermée, les volets sont fermés, vous poussez le volet, mais il tourne parce qu'il y a des pivots, il y a des charnières. C'est ça, cardo. Autrement dit, il y a quatre vertus cardinales qui articulent notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne, ce n'est pas un slogan. Notre vie chrétienne, ce n'est pas seulement faire ceci, faire cela, la morale. Notre vie chrétienne, elle est articulée. Elle est cardinale, il y a quatre vertus cardinales qui vont nous ouvrir, nous articuler aux autres, à nous-mêmes, à notre vie quotidienne, à notre vocation. Vous voyez, un chrétien, c'est quelqu'un qui est à la fois solide et souple. Il tient, pardon, revenons à l'image du volet. Il faut que le volet tienne, il y a du vent. Alors, mais en même temps, il faut que le volet soit souple. Oui, pour qu'on ouvre ou qu'on ferme la fenêtre ou le volet, voilà. Eh bien, un chrétien, il est à la fois souple et solide, grâce à ces quatre vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Alors, en avant. J'essaie de trouver des mots simples, et puis je vous relirai à la fin. Tant pis, ça fait un peu scolaire, mais comme ça, vous retiendrez quelque chose. La prudence, c'est l'art de choisir les moyens les plus adaptés. C'est l'art de choisir la prudence. La prudence, ce n'est pas la timidité. Ça, c'est le sens du mot prudent au sens timide, ce n'est pas ça. Dans l'Église, dans la vie chrétienne, le prudent, ce n'est pas celui qui est timide, qui n'ose pas lever le doigt, qui n'ose pas se... Non, la prudence, c'est l'art de choisir. C'est un petit peu une faculté de discernement. Voilà, la prudence, elle est dans la tête. Parce qu'il faut réfléchir dans ma tête. Qu'est-ce que je veux ? Et deuxièmement, quel moyen je vais choisir pour pas simplement rêver, pas simplement avoir de bonnes intentions, mais que ces bonnes intentions passent à l'acte, passage à l'acte. Le bien, il faut le faire, pas seulement le désirer. Vous voyez ? Il faut le désirer et le faire. La prudence, c'est de choisir les moyens les plus adaptés sur un plan professionnel, sur un plan relation, en vie de famille, avec votre entourage, et puis dans votre vocation, dans votre vie chrétienne, la prudence, vous avez telle fragilité, il faut pouvoir avancer dans ce domaine, il faut vouloir avancer, et après, il faut trouver les moyens pour avancer. Oui, c'est ça la prudence. Les moyens les plus adaptés. Marthe a été très prudente. Elle appelle ça le bon jugement. Vous voyez, le bon jugement, c'est la prudence. C'est pas encore une fois, ce n'est pas la timidité. C'est le bon jugement. Bien sentir. Tous ceux qui ont rencontré Marthe, et les témoignages continuent aujourd'hui, parce qu'on peut aussi la rencontrer aujourd'hui, pas seulement de son vivant. Elle est bien présente à la plaine et maintenant au milieu de nous. On peut lui parler, l'invoquer. C'est le bon jugement de Marthe. Oui, bon jugement, quelquefois qui surprenait les visiteurs. Ils s'attendaient à ce qu'elle, je ne sais pas quoi, dise ceci, cela, puis elle disait autre chose. Elle était, c'est pas pour contredire, c'est pas par esprit de taquinerie, non, c'est simplement la prudence.
bien savoir ce qu'on veut et bien choisir les moyens pour y arriver. Deuxièmement, la justice. C'est être droit. La justice, c'est facile à retenir. C'est être droit dans mes relations avec les autres. C'est ça la justice. Être droit dans mes relations avec les autres. C'est par exemple n'oublier personne. Dans la famille, vous voyez, c'est tous les enfants. N'en oubliez pas un. N'en privilégiez pas un. Au travail, vous voyez, il y a peut-être des personnes que vous ne souhaitez pas rencontrer. Eh bien, la justice, c'est d'avoir aussi un regard sur ces personnes. C'est être droit dans mes relations. N'oubliez personne, n'exclure personne. Voilà un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, l'exclusion. L'exclusion d'une grâce, d'un peuple, d'un âge. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter les jeunes, il y a des jeunes qui ne peuvent pas supporter. Voilà, l'exclure, ça c'est contraire à la justice. C'est être droit avec tous, droit dans mes relations avec les autres. C'est tenir compte de chacun. On n'élève pas le deuxième enfant comme on élève son premier. Oui, pourquoi ? Ben parce que les enfants ne sont pas des pions, etc. Et du coup, voilà, la justice, c'est d'être adapté, ajusté. Ah, ça y est. Ça devient parlant. La justice, c'est d'être ajusté à chacun et à chaque circonstance. Oh là là, qu'est-ce que c'est important, ça ? La justice, c'est d'être ajusté à chacun et dans toutes les circonstances. Là, vous avez un saint. Un saint qui domine, j'allais dire, tout l'Évangile, parce qu'il est au début, dans ce sens-là, c'est le juste, l'ajusté par excellence, qui s'appelle Saint Joseph. Voilà. Saint Joseph est le type même du juste, de celui qui vit la justice. Il est adapté, il est ajusté à ce que Dieu lui demande aux circonstances, quand il faut partir en Égypte, quand il faut revenir d'Égypte, quand il faut aller à Bethléem alors qu'il n'en a pas envie, puisqu'il est... alors qu'il faut aller à Nazareth, alors qu'il voudrait, lui, revenir chez lui, à Bethléem, voilà, il est ajusté. C'est la justice. Je répète, la justice, être droit dans ses relations avec les autres, être ajusté à chacun, à tous et en toutes circonstances. Troisièmement, la force. Ce n'est pas la force brutale. Quand je dis la force, ne voyez pas un bulldozer qui va vous marcher sur les pieds. La force, ce n'est pas ça. La force est de perdre. Persévérer dans le bien. La force, c'est de persévérer. Dynamis, en grec, c'est l'élan, c'est le dynamisme. C'est un dynamisme qui va continuer, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des échecs, même s'il y a des contradictions, même s'il y a des contre-témoignages, même s'il y en a qui se fichent de vous. Vous continuez, vous persévérez, sans vous durcir. Et c'est pourquoi, avec cette persévérance, il y a beaucoup de douceur. C'est une douce force. La force est douce, comme Jésus. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Et c'est parce qu'il est doux qu'il est fort. Vous voyez, ça ne s'oppose pas, au contraire. Ce n'est pas la force de celui qui tape, qui crie, qui écrase tout le monde. Ce n'est pas ça. La force est de persévérer dans le bien. Ça demande beaucoup de douceur, beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Regardez Jésus dans sa passion. Regardez Jésus comment il avance, un épisode et un autre, voilà. Alors que chaque épisode aurait pu l'effondrer. Il aurait pu rester chez Pilate, il aurait pu rester devant le grand prêtre, il aurait pu rester à Gethsémani. Jésus persévère, Jésus avance, Jésus continue dans la patience. La persévérance, c'est aussi de résister. C'est une résistance au mal qui m'entoure et qui m'assaille. À certains moments, le mal peut être autour de nous. Les tentations peuvent aussi nous submerger. Alors, c'est la résistance, vous voyez, c'est la force de résister au mal, c'est la force d'avancer avec douceur, c'est la force de la patience, c'est la force de la patience. Regardez une graine qui pousse, regardez une graine qui pousse, comme dans l'Évangile. Voilà, regardez un petit brin d'herbe au printemps, qui soulève le goudron au bord de la route. C'est une magnifique image, ça, de la force de Dieu. Vous voyez la force de Dieu au printemps. Un petit brin d'herbe qui n'est pas encore devenu vert. Il n'a pas encore fait la chlorophylle, mais déjà, il soulève du goudron. Il soulève un caillou, il soulève de la terre. Voilà la force de Dieu. Pas de bruit, pas de déclaration, rien d'intempestif, rien de violent. Mais alors, quelle énergie, quelle force!
pour soulever le goudron. Petit à petit, il fait péter la route, l'herbe va manger tout le goudron, parce qu'elle est plus forte que le goudron et que les pierres. La force de persévérer. Marthe, sa force, ce n'est pas de taper du poing, sa force, ce n'est pas de lancer des oukases, sa force, ce n'est pas de condamner, sa force, c'est de transformer l'obstacle en moyen. Retenez ça, c'est de transformer l'obstacle en moyen. Ce qui aurait dû l'arrêter, la maladie, eh bien, elle va la transformer en moyen. Oh là là, retenez ça, réfléchissez à ça. Et quand vous pourrez, asseyez-vous, prenez 5 minutes de réflexion. Voyez vos difficultés, voyez vos échecs. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut transformer la difficulté, transformer l'échec en moyen. Oui, en moyen pour rebondir, en moyen pour progresser. Car les difficultés ne sont plus obstacles, mais des moyens. Des moyens, vous voyez. Alors qu'une difficulté, elle peut apparaître comme un mur. Eh bien, vous voyez, la grâce de la force, c'est de transformer le mur en chemin. Je ne vous demande pas de réussir, je vous demande de progresser. Des échecs, il y en a, il y en aura dans votre vie. Ce qu'il faut, ce n'est pas buter contre l'échec, c'est le regarder en face et avec la force, le transformer en moyen. On en a fait un cantique. Hein, car les difficultés ne sont plus obstacles, mais un moyen pour mieux aimer Jésus. Car les difficultés ne sont plus obstacles, mais des moyens pour mieux aimer Jésus. Pardon, ces deux phrases, c'est tout Marthe. Les difficultés, elle en a eu, ça a commencé tout de suite par la maladie, et la maladie qui évolue, qui monte et qui descend. Des difficultés, il y en a eu, des difficultés extérieures. Les gens qui la traitent d'hystérique, les gens qui la traitent de folle, comme le père Finet, etc. Il y en a eu des difficultés. Car les difficultés ne sont plus obstacles. De quoi être par terre, baisser les bras, c'est fini, c'est foutu. Car les difficultés ne sont plus obstacles, mais des moyens. Car les difficultés ne sont plus obstacles, mais des moyens pour mieux aimer Jésus. Voilà, ça c'est tout à fait la grâce, la vertu de la force. Et enfin, la tempérance. La tempérance, c'est la retenue en tout. Ce n'est pas le refus, ce n'est pas l'abstinence. La tempérance, c'est la retenue en tout. Dans le manger, dans le boire, dans les pulsions, dans les paroles, dans la télé, devant l'ordinateur, dans les coups, dans les conflits, c'est la retenue. Pourquoi ? Ben parce que la vie chrétienne est un tout harmonieux, parce que Dieu est harmonieux. Dieu n'est pas un slogan, Dieu n'est pas un rocher qui écrase, ouais. Dieu n'est pas une espèce de flèche inaccessible qui nous traverse. Dieu est harmonieux, ils sont trois à s'aimer d'un amour unique, d'un amour divinement harmonieux. Voilà pourquoi un chrétien, c'est nécessairement quelqu'un, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un d'harmonieux. Et bien c'est ça la tempérance, savoir se retenir pour être, pour devenir un peu plus harmonieux. Le but des quatre vertus cardinales, je vais vous les rappeler, le but c'est de devenir complet. Un chrétien, il doit être complet. Vous voyez ? Ouais, un chrétien, ouais, c'est un chrétien, il est complet. Dans l'évangile, c'est le mot parfait. Pardon, faites un tout petit peu d'étymologie. Parfait, c'est du latin. Par, plus loin, fait. Il est fait par excellence. Il est fait complètement. Perfect. Perfect. Il est fait per à la perfection. Ouais, c'est un chrétien complet. Soyez parfait. C'est comme si Jésus disait, soyez complet. Vous voyez, et pour être complet, ben, faut être bien articulé. Ça y est, vous comprenez maintenant les quatre vertus cardinales. Je voudrais avancer, puis presque finir, par une parole de Marthe, qui est pleine de sagesse. Puis après, je vous donnerai deux, trois petites références. Elle est magnifique, cette parole. Nous avons rarement de grandes choses à faire.
beaucoup de petites. Alors, mettons de l'ambition dans les petites, sous-entendu, et comme ça, on parviendra à faire les grandes. Tandis que si on ne commence pas par faire les petites, on ne fera jamais les grandes. Vous comprenez, c'est comme dans l'Évangile. Oh, tu t'es montré fidèle en de petites choses, oh, je t'en confierai d'autres les talents. C'était dans l'Évangile il n'y a pas très longtemps. Voilà. Tu t'es montré fidèle, solide, solide. Tu tiens la route dans de petites choses, alors du coup, tu pourras tenir la route dans des choses plus importantes, dans la vie, dans le monde et dans l'Église. Nous avons, je répète Marthe, nous avons rarement de grandes choses à faire, beaucoup de petites. Pratiquement, notre journée est une succession de petites choses, souvent, souvent, une succession de petites choses. Alors, dit-elle, mettons de l'ambition dans les petites, sous-entendu, hein, et ainsi, on parviendra aux grandes. On a plus de chances de faire les grandes décisions, les grandes actions. Voilà, j'ai terminé. Je vous donne la référence dans le catéchisme. Si vous avez de quoi écrire, écrivez les numéros 1803 à 1832 sur les vertus théologales et cardinales. 1803-1832. Et Youcat, qui est un magnifique bijou, voilà, je voulais dire. Youcat, hein, depuis les JMJ à Madrid. Youcat, le numéro 299 à 309. Offrez ça à tous les jeunes. Hein, Youcat, numéro 299 à 309. Vous avez les trois vertus théologales et les quatre vertus cardinales. Le résultat, c'est une vie chrétienne complète. C'est ce qu'en langage chrétien, un petit peu ancien, on appelle la sagesse. La sagesse. La sagesse, c'est une vie chrétienne complète. Pas des slogans, pas simplement un truc, pas simplement un accent, c'est plein, c'est complet. Je vous répète, la foi, c'est Dieu qui nous éclaire, qui est lumière et qui donne lumière. L'espérance, c'est Dieu qui est victorieux, c'est pourquoi il fortifie contre le mal toutes les objections. La charité, c'est Dieu qui nous ouvre à l'infini, à lui. Et maintenant, les quatre vertus cardinales qui vont être bien articulées, vous voyez, qui vont faire un chrétien complet, un chrétien solide et souple. Voilà. La prudence, c'est l'art de choisir les moyens, les bons moyens qui vont me permettre, les moyens droits, justes, qui vont me permettre d'arriver au but humain, ma vocation, mon travail, mon devoir d'État. La prudence. La justice, c'est l'être droit dans ses relations, dans ses paroles, dans ses engagements, dans ses finances. La justice, être droit dans toutes mes relations et dans mes biens. 4. La force, c'est de persévérer doucement. Doucement. Comme l'herbe qui soulève le goudron au printemps. La force, c'est de persévérer dans la patience, c'est de résister au mal. Le mal passe à certains moments, on a l'impression qu'il recouvre tout. Mais on baisse la tête, le mal passe, et moi je relève la tête. Les saints relèvent la tête. Voilà, la force. Et puis enfin, la tempérance, c'est la retenue en tout, de telle manière que ma vie chrétienne soit harmonieuse, qu'elle soit pleine, que ce soit magnifique, que je sois beau, de la beauté même de Dieu. Voilà. Vous avez le numéro de l'Alouette qui est paru hier. Notre imprimeur Jean-Jacques Carreau l'a apporté hier. Il y a 10-15 pages sur Marthe, et puis des autres articles, et ce numéro est le numéro 50. Ça fait 50 ans que l'Alouette est parue. Pas le numéro 50, ça fait 50 ans que l'Alouette est parue. Et puis, vous avez toujours au foyer la possibilité de donner des intentions de messe. Ce n'est pas pour demander des sous, c'est pour que vous puissiez exprimer votre action de grâce et vos besoins en mettant tout dans une intention de messe pour un couple, pour des jeunes, pour un malade, en reconnaissance pour ce que Marthe vous a obtenu, en priant pour d'autres, etc. Les grandes intentions qui sont les vôtres et celles du monde. Vous pouvez toujours demander qu'une messe soit célébrée. Et ces messes, on ne va pas seulement les célébrer ici à Châteauneuf, on va souvent les communiquer, les donner aux pères de foyer que vous allez voir tout à l'heure, qui sont encore bien nombreux. Nous terminons une section qui a duré 5 semaines. Voilà. Alors n'oubliez pas les intentions de messe. L'offrande que l'Église, les évêques de France, nous proposent, une offrande de 17 euros. Et maintenant, Anne-Marie nous fait répéter un petit peu le chant du jour. Hein? Merci, Marthe. Marthe, comment vous dire merci? Comment vous dire merci?
Les paroles sont de Mademoiselle Froidevaux. Les anciens de Saint-Bonnet, ça leur dit quelque chose. Et ce chant, nous allons l'apprendre et le chanter en action de grâce après la communion. Nous le répétons. Merci Anne-Marie.